En commençant par les quarts de finale qui sont en BO3. D'ailleurs, il faudrait peut-être que tu affiches ça, Livy, sur l'overlay. Oui, j'ai mis. Impeccable. Je vais le mettre. Donc voilà, on commence par le premier combat, Ozone contre Escanor. Je vais vous remettre un petit peu le lien là dans le chat si vous voulez voter pour dire qui vous pensez va remporter cette manche. Donc il faut un compte challenge par contre, hein, donc n'hésitez pas à créer un compte, il pourra vous servir pour toutes les LCN. Et vous verrez directement sur challenge le tableau en temps réel avec les scores de chaque match. Donc là, on va faire pop des poteaux d'entraînement afin que on soit sûr qu'il n'y ait pas de charge qui a été prise. Comme ça, ça force à vider une charge s'il y a eu une charge. Qu'on démarre le combat dans de bonnes conditions. Pour tous les futurs participants, n'hésitez pas. Souvenez-vous qu'il faut bien enlever toutes vos potions, vos snacks, tout ce qui est interdit de cette LCN, de votre barre de raccourci, voire de votre inventaire juste pour la LCN. Si vous ouvrez l'inventaire que vous cliquez dedans, c'est trop bête de se faire éliminer pour ça. L'an dernier, c'était déjà arrivé. Un participant qui s'était fait éliminer parce qu'il a mis une potion alors qu'il allait gagner le duel. C'était vraiment flagrant, quoi. Il a mis une potion au tout dernier moment par inadvertance et il a été disqualifié. Donc vraiment, n'oubliez pas d'enlever ça de vos raccourcis. C'est vraiment dommage de se préparer un an et d'être disqualifié pour si peu, quoi. Donc on vous rappelle aussi une petite règle, vous n'avez pas le droit de mettre la même SP deux fois de suite. Donc c'est valable pour tous les matchs, c'est-à-dire que si vous finissez une manche et que vous la gagnez et vous avez mis par exemple votre SP1, le prochain match, à la première manche, vous n'aurez pas le droit de mettre la SP1. Ça se transmet de match en match. Par contre, si vous mettez la SP3, par exemple, le match d'après, vous pourrez remettre la SP1. C'est jamais deux fois de suite. Donc je pense qu'on va commencer par le grand classique. Ouais, deux SP1 inscrits. Le grand classique des LCN, hein. Les deux morales qui vont s'annuler. Oui, ils sont tous les deux niveau 69. Voilà, donc pas d'avantage particulier pour l'un des deux participants au niveau de la morale en tout cas. Je sais pas si tu peux afficher les stuffs, Livy. On a alors quand même on a une arme rare 6 hein, du côté d'Ozone. Vu les skins, je pense que c'est de l'assassin des deux côtés, donc des gros crits. Surtout que c'est super efficace à ce niveau parce qu'il n'y a pas encore de réduction critique assez significative. La seule réduction critique en fait vraiment substantielle, elle provient de la SP6 escrit quand on est en buff vert. Sinon il n'y en a pas, quoi. On n'a pas les bijoux qui peuvent enlever jusqu'à 35%. Donc les critiques vont faire très mal. Allez, c'est parti pour les zéros. Il y a l'apôtre de fer qui est parti du côté d'Ozone, qui ne s'est pas buff et Scanor. Il s'est Scanor, un peu oublié ouais. Ça. Ça, c'est dommage. Il a pris la saignée. Alors le miss sur le skill 20, donc il n'aura pas à le couvrir avec les Q. Par contre, le choc est passé. Il y a quand même un petit avantage, ouais, non, c'est très serré. Ouais, c'est vraiment serré, là. Tout petit avantage pour Escanor.
peut-être avec son arme rare 7. Bon, à ce niveau-là, les armes rare 7 sont pas toujours ruinées avec des options vraiment énormes. Là, il y a un gros crit qui est parti. Ozone qui passe au rouge, ça va être compliqué de remonter ça. Il y a le trou noir mortel. Il est vraiment au bout là, ça va peut-être se terminer maintenant. La fraction d'épaule qui passe et qui stun. Petite remontée, ça va être dur, mais c'est possible. C'est serré. Ouais, il y a un très très gros crit sur le choc de terre. Voilà, le match est super serré. Le choc de terre qui miss. Revient. Bravo. C'était très 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 tendu. Donc, on rappelle que c'est en BO3. Donc, Scanner a un point. Sur la première manche, Escanor qui marque un point. Donc on voit quand même Alors Escanor pour l'instant est en 1-0. Pour l'instant, c'est Escanor qui est en bonne voie pour rencontrer Yakuza Guise en demi-finale. Alors, est-ce que maintenant on va assister à un Dudu de SP6 Escrit ? C'est possible, c'est fort probable. Un très très grand classique. Bon, il y a la SP8 Escrit que moi personnellement je trouve. Qui est très forte, ouais, avec le switch d'éléments. Bon, après à ce niveau-là, il n'y a pas non plus de très grosse baisse de résistance sur les stuffs. Mais elle peut être quand même intéressante. Elle peut être intéressante parce qu'il n'y a pas non plus de grosse saisie à moins d'éventuellement sommer des cuirs de pierre sur des résies un peu plus belles, mais bon, ça reste quand même marginal. Donc l'élément peut faire très mal. On peut peut-être voir aussi éventuellement une SP5 Escrit qui est pas mal en duel quand elle est bien jouée. Ouais, c'est clair. Qui est un peu plus nerveuse, avec le bouclier qui peut faire des ravages quand il est bien utilisé. Sans parler du combo avec les 40% de dégâts supplémentaires sur le skill 20. Donc là, il y a un peu d'intox au niveau des fées. C'est toujours, il y a deux fées qui passent en haut. Je pense que ça va être deux SP6. Alors attention. Nous avons les Alonix du côté d'Ozone. Les Alonix du côté d'Ozone. Ça sera quelque chose à observer parce que ça fait quand même dégâts x2 en arène vu que les dégâts rouges sont pas divisés par deux. Maintenant, la question, c'est quels vont être les buffs utilisés. Moi, je suis un grand fan du buff vert parce que je trouve qu'il est extrêmement complet, surtout à ce niveau. Pour les anti-critiques, donc ça sera le buff vert du côté d'Ozone. Cette fois-ci, Escanor n'ira pas de. Escanor, est-ce qu'il va tenter le vert ou le rouge ? Le jaune est quand même beaucoup moins utilisé, un peu moins. Il est quand même efficace sur certains mages et certains archers pour Kite. Ok, donc ça sera deux buffs verts. Belle régène HP du côté là. Il a dû avoir une arme régène. Non. Bon, c'est toujours l'arme rare 7. J'ai cru qu'il y avait une grosse régène du côté d'Escanor. Donc là, si Escanor gagne cette manche, il passera en demi-finale et rencontrera Yakuza Guise, qui me semble est le seul mage de cette LCN. C'est parti. La lance dragonesque qui passe, beaucoup de dégâts, le skill 20. Alors la provo est ratée du côté d'Escanor, le skill 20 aussi, ouais. c'est bien joué. Encore les Onyx qui passent, ça fait vraiment beaucoup de dégâts. Ouais, c'est vraiment, c'est très difficile à contrer. Zone qui stun, Escanor qui revient un peu dans le duel, ou un crit qui passe. Ah, ça reste serré. Ouais, les Onyx ont vraiment fait le job là. Les Onyx ont vraiment découpé le pauvre Escanor en tranches. Donc, Ozone revient ça, à égalité. Ça approche bien 3 fois ou 4.
Là, c'est vraiment très compliqué. On voit toute la puissance de ses ailes. Hein. Donc là, ça fait vraiment, ça fait exactement pour l'instant, ça fait pour l'instant un partout. Ça fait pour l'instant un partout. Il faudra un dernier match. Est-ce qu'ils vont repasser en SP1 tous les deux? Est-ce qu'ils vont repasser en SP1? C'est possible. C'est fort possible. Et on peut imaginer que qu'Escanor a un petit avantage, qu'il avait gagné le premier SP1. Ouais. On peut imaginer ça. Le must-have sur la SP1, c'est quand même d'avoir un chapeau de singe hein, pour ne pas prendre le trou noir sur la fraction d'épaule. Ça change vraiment beaucoup, quoi. Après, on pourrait éventuellement prendre le masque qui diminue la chance d'avoir le couvrir avec écu. C'est un debuff qui est extrêmement mal vu qu'il fixe la défense à zéro. Quoique, à ce niveau de la compétition, les joueurs n'ont pas encore énormément de défense. Ça va pas être comme un SP1 inscrit ou niveau 96 qui va pouvoir avoir, je sais pas, 1500, 1700 de défense corps à corps en fonction de, des améliorations de sa SP, voire plus même avec la défense PVP sur, sur l'armure et les résistances qui donnent de la défense. Donc là, là, ce debuff, quand on est très HL, il fait vraiment extrêmement mal. Il vaut mieux temporiser quand on l'a, et si on peut ne pas le prendre, c'est encore mieux. Bon, on repart sur le miroir du. Le miroir du premier duel. On repart sur le miroir du premier duel avec les Dudu de SP1 inscrit. Alors il y a eu un petit oubli de buff hein, au début. Sur le premier duel. Ouais, buff qui n'avait pas... Il a quand même gagné. Oui, il a quand même gagné, mais bon, ça n'a pas dû le mettre dans, dans super condition. Et c'est parti, les zéros qui sont lancés. Grosse réaction dans le chat qui pensait pas que les deux allaient remettre la SP1. Ouais. C'est plutôt un Dudu de SP3. Mais... Ouais, bah voilà. Oui, c'est vrai que la SP3, ça reste quand même une valeur sûre. Ouais. Et les chocs qui passent sur SP1. Le choc qui passe, pas beaucoup de dégâts. Non. Et le courrier à Kéku qui n'est pas passé, par contre. Donc, et qui... Qui n'est toujours pas passé chez Ozone non plus. D'accord. Donc Ozone, pour l'instant, qui a un petit avantage... Mais qui est. Enfin, bon, ça se rééquilibre. Ouais, c'est très serré, c'est très serré. Très très serré. Ça va vraiment jouer au crit et au stun. Petit avantage pour Escanor. Au duel de coup de base. Escanor qui passe maintenant dans le orange. Donc Ozone qui va finir par passer dans le rouge. C'est fait presque, voilà, c'est ouais. Fait. Ça va être très compliqué, c'est ouais, fini c'est... pour Ozone. C'est Escanor qui serré, remporte. Oui, c'était très serré. C'était très serré. C'est Escanor qui remporte du coup cette manche 2 à 1. Premier quart de finale. Premier quart de finale, donc... Ozone qui s'est quand même bien battu, on a vu que le match avait été sans appel avec la SP6. On peut se demander ce qui serait arrivé s'il avait mis la SP6 d'emblée. Est-ce qu'il aurait réussi à contrer la morale? Est-ce qu'il aurait pris l'avantage? On ne sait pas, c'est difficile, mais bon. Bravo. C'était un bon match, surtout qu'il est rare 6 sur l'arme, ça c'est pas à négliger non plus. C'est vrai que c'est difficile de combler l'écart avec des armes rare 7. Mais bravo, bravo à vous deux. Et on va pouvoir passer au deuxième quart de finale entre Gyrios et Friction. Donc on va grouper l'un des deux. Ouais. Voilà, on a groupé Friction, qui lui est niveau 55, donc à voir ce qu'il va tenter. Alors si on regarde le stuff, antique plus 3 sur l'arme et légendaire plus 8 sur,
sur la dague, on peut raisonnablement penser que ça va être de l'SP2 qui va sortir au moins, au moins avec ce set d'équipement. Arc du Courage, couplé avec un Scrammer, il y a une hausse qui est absolument dévastatrice. Toujours les critiques évidemment avec l'SP2 et les dagues qui sont difficilement contrables à ce niveau. Par contre, il est niveau 55, donc il va pas bénéficier de la tunique 69 comme pourraient utiliser ses concurrents. Bon, le regard du gardien est déjà très bon. Niveau 55, on a déjà accès à des runes avec, avec des effets de PVP. L'arme secondaire, j'ai un doute. Je sais pas si ça va être un scrammer, donc là, auquel cas, il n'y aura pas d'option PVP, ou si ça va être une dague. Non, 58, il va pas pouvoir. Ouais, je sais pas trop ce qu'il a comme équipement là. Ça va être un peu la surprise. Qui est en arme en 5+3. Oui, c'est ça ce que je disais, c'est pour ça que je pense à la SP2. Ouais. L'arme du courage, l'arme du courage plus le scrammer pour une très très grosse chose. Ouais, ça paraît logique. Puis il y a la fée obscure en plus, on va voir. La friction qui est là, qui n'est pas AFK. Alors l'épreuve du poteau, qui va démarrer? Qui va miss le poteau? Ah, j'ai juste dit, les deux n'ont pas miss. Beaucoup trop de talent. Beaucoup de dégâts aussi. Taitere qui file un petit coup de main. Allez, donc est-ce qu'on va voir SP2 archer contre SP6 escrit? Grande question. Ouais. Là c'est très c'est plus ouvert. Friction peut sortir aussi une SP1 pour contrer une morale, mais encore faut-il savoir. Là, donc là il vient de passer en fléau. Il peut sortir une SP6 pour Kite. Il y a une fée obscure qui passe chez Gyrios. La SP4. Après, la SP6 est très 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 compliquée à jouer à ce niveau-là parce qu'elle est vraiment très manavore chez les archers. Ouais. Et on a vraiment. Enfin, je trouve qu'on manque vraiment de mana au niveau. Ouais, donc il y a eu pas mal d'intox. Une SP5 escrit, ça me fait beaucoup plaisir. Et une SP2. Un grand fan de la SP5 escrit. Et ouais, la SP2, aussi un grand classique en duel chez les archers. Ouais, ça fait plaisir d'avoir un escrit qui tente autre chose. Que la SP6 ou la SP1, ouais, effectivement. Après, la SP5 n'est pas du tout ridicule en duel. Vraiment, ouais, elle a un kit qui est très très efficace. Elle n'est pas forcément facile à jouer. Elle est assez manavore aussi. Je pense que la mana, ça risque d'être un problème pour Gyrios qui a bougé. Qui le fait savoir. Et qui va se refaire TP probablement à notre endroit. Voilà. Voilà, c'est parti. Est-ce qu'il y a le CRIAP qui va partir? Ouais, le CRIAP est parti. Il faudra faire très attention à la charge et de l'autre côté le bouclier. Alors ça, je sais pas si c'est la meilleure idée, parce que mettre l'éclair d'entrée de jeu, quand il n'y a pas de stun, il peut... c'est une invitation à charger, quoi. Alors le smog... Qui passe pas. Le smog qui n'est pas passé, mais là, qui a pris énormément de dégâts d'un coup. Oh, la charge, je pense que ça risque d'être terminé. Un miss, il s'est pris sa saignée, mais bon, c'est... C'est fini. Ouais, c'était très rapide, ouais, en tout cas. Ça a été... Ouais, les dégâts ont été vraiment fulgurants. C'est... Dommage, ouais. Je suis pas équipé. L'éclair dans... Ouais, l'éclair d'entrée de jeu, étant donné qu'il fait qu'immobilise, stun pas sur un SP2 archer, c'est un peu lui dire voilà, je te mets l'éclair, je te mets le debuff, je vais te mettre le skill 20, charge. Ouais. prends ma charge, quoi. Vu que le soupir du perdant dure pas super longtemps, je pense pas que ça soit la meilleure technique. On peut plutôt mettre par exemple le KO pour ensuite mettre le debuff d'esquive, après mettre l'éclair pendant qu'il est stun. Ou attendre que la charge soit passée, là c'était... Bon, il s'en est pas servi, mais c'est un peu dangereux.
185 secondes. Ouais, je pense qu'il faut que friction, déco, reco. Friction. Un petit déco reco là, vu que c'est en arène, l'entrée est accessible. Ça coûte 500 et c'est vraiment trop cher quoi. Ah. Moi, j'ai presque pas les moyens. Bah moi je les ai pas hein. J'ai dû faire un prêt à la Banque de France. J'ai demandé un j'aime me TP en arène parce que je voulais pas payer, mais ça marchait pas. Donc là, qu'est-ce qu'on va voir comme comme SP, je me le demande. J'aimerais bien voir un petit SP1 archer, moi c'est une SP que. Ouais, j'aime beaucoup. Serveur déco. Peut-être une SP3, hein. Une petite SP3. SP3 archer. Une SP3 archer. Avec le gaz. Ça fait pas mal. Ou la SP7 aussi, la SP7 archer qui est aussi. Bon, toutes les SP archer. Toutes les SP archer sont gros. Même la 3, même si elle est un peu plus faible. Ouais, elle est quand même un peu en dessous, c'est surtout la portée, quoi. Ouais, c'est clair. Le 6 cellules de portée sur la SP3 et la SP4, c'est un peu problématique. Après, la SP4, si on prend la baisse, là, c'est fini. Si un jour on a la mise à jour des SP, la SP3, elle gagne pas mal de portée quand même. Ouais, ouais bon, ça, c'est un gros point d'interrogation. C'est vraiment pas si ça... On sait pas si ça va arriver chez nous et si donc ça arrive. On passe sur une SP1 chez Virios et une SP1 chez Friction. Une SP1 plus 5 ou plus 6. Il y a du courage. Et c'est vraiment, je pense, pour. Là, l'idée, c'est clairement pour l'œil, pour éviter la morale. C'est vraiment l'objectif. Après, une SP1, même si elle est 99 plus 5, il y a quand même des points. Et voyons voir l'arc. Est-ce que. Il n'a pas changé, je crois. L'arc est toujours en antique plus 3. Alors, je pense que ça va être. Je pense qu'il mise beaucoup sur sa SP2. Ouais, il mise beaucoup sur sa SP2. Il se dit peut-être qu'il peut perdre. Il perd le deuxième, mais le troisième. Il perd le deuxième, mais il reprend l'avantage sur le troisième. Ouais. Ça peut être une technique, voire éventuellement sur deux gels, parce qu'il y a deux gels de dispo sur cet SP. C'est clair. Ouais, si les deux gels passent, ça peut faire très mal, surtout avec le point faible. Avec les hausses, on peut imaginer des choses. Après, la SP est au maximum plus 10 de l'autre côté, donc il n'y a pas non plus une différence énorme. Alors, le premier gel ne passe pas. Il passe pas. Le couvrir avec écu est passé. Le deuxième gel ne passe pas non plus. Est-ce que je suis étonné qu'il ne mette pas le point faible. Si, il a mis le point faible. Il a mis le point faible, je ne l'ai pas vu, mais qui a quand même pris beaucoup de dégâts. Ouais. Voir un tir de tête, peut-être. Qui miss, encore un miss là. Ouais, là, le marcheur qui fait beaucoup de travail. Ah, le gel qui passe. Ouais. Et là, il y a 8 secondes. Là, il y a 8 secondes de DPS gratuit. Qu'est-ce qui se passe avec Mega Archer là? Ouais, ça, c'est pas cool du tout, ça. Donc là, il y aura. Là, va y avoir un. Hein. On vous le dit, il y a une sanction, ça va être un ban. Hein. Et. Ça va être un ban. Donc le Dudu qui. Qui continue. Donc on va voir ce qu'il en est pour Friction Dudu. Qui temporise. Mais... Friction qui temporise. Ouais, je sais pas ce qui va se passer pour le duel. Vraiment, je sais pas s'il va être validé ou annulé. Ça, c'est aux arbitres de décider. Il y aura le terrain qui sera reconstruit là, rapidement. Mais en tout cas, le Dudu est validé. Bon, le Dudu a l'air d'être validé par. Les deux joueurs n'ont pas arrêté de se taper pour autant. Ouais. Toujours des personnes qui veulent faire leurs intéressantes. Donc, c'est triste. Ouais, bon, c'est un peu dommage. Hein. C'est un peu. Caripsis qui s'est trompé de poteau.
a mis un super poteau, un super grand poteau. Donc nous aurons droit aussi à une troisième manche pour ce deuxième duel. Je ne serais pas étonné que Friction repasse en SP2. Voir ce qui va être remis par Gerios. Peut-être SP5 une SP6. Pas porter chance. Une SP6, une SP8, peut-être. Après, je sais pas s'il y a tous les SP. À voir. Ouais, les cooldowns sur ces SP là sont assez faibles. Tout à l'heure c'était à cause du smog hein, qui est très 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 long à revenir. Ouais. Est-ce qu'on va revoir encore le miroir du premier duel qui avait tourné à l'avantage de Friction? Oui, pour Gerios, ça sera le même Dudu. Donc là je pense que les... On fait pas de code de Paris Sportif, mais les codes sont par de Friction. Qui avait mis une quantité de dégâts impressionnante, le critique up était juste monstrueux. Ce serait intéressant de voir si Gerios recommence direct avec l'éclair. Avec l'éclair, est-ce que il a entendu nos petites voix? Est-ce qu'il a le stream en fond? Je ne sais pas. Je vais avoir serveur d'écho, je le sens. Ouais, ça malheureusement, on n'est pas responsable de ça, et si vous avez une déco serveur, bah malheureusement c'est tant pis pour vous. On va pas pouvoir. Puis surtout qu'on peut pas savoir si vous dites vrai ou pas, on sait vraiment pas ce qui se passe. Alors, est-ce que. Voilà, donc la saignée qui est partie, voilà. Les dégâts, il a vraiment une super dague. Alors, la fufu. Je crois que c'est terminé. Hein. Ah, quoi qu'il y ait le trou noir. Non, mais c'est. Le combo a été fait à l'envers, là. C'est vraiment dommage. Ah, il s'est repris sa saignée mortelle. Déjà, il pourra pas critique. Le petit heal. Oh, ça va être. Gerios qui revient quand même bien. Ça va être pas si évident que ça. Je pense qu'il faut qu'il temporise, qu'il attende son bouclier. Ouais, dommage. Ouais. Là, c'était très chaud. C'était très très chaud. C'était un match vraiment intéressant. On a vu le potentiel aussi de la SP5 Esquive. C'est vraiment dommage qu'il ait fait son combo dans l'autre sens. Mettre le skill 20 avant l'éclair. Donc finalement, c'est Friction qui. Gagne 2-1 et qui rejoindra Magio lui en demi-finale. Donc là on va passer à la demi-finale suivante qui opposera le mage Natyuzagiz à Escanor qui avait gagné le premier match contre Ozone. Donc Escanor on l'avait vu. Nous passons déjà aux demi-finales. Ouais. Donc on va grouper le mage. Je fais n'importe quoi, c'est pas Magio lui, je me suis fait avoir par le nom. Je me suis fait avoir par le nom. C'est une erreur de ma part. Je cherche. Voilà, j'ai trouvé le petit mage, il est là. Natyuzagiz qui est le seul mage. Qui est le seul mage effectivement, ouais. Et qui va sûrement gagner parce que le mage se parce que les mages dominent le monde, voilà. Nous sommes d'accord.
Ouais, c'est vraiment un peu plus difficile hein, pour les machins, on est d'accord, en duel, c'est pas la classe qui est le plus à l'aise sur les duels. On peut faire des choses, hein, mais c'est vraiment plus compliqué. Et ça manque de HP, surtout dans les bas niveaux où il n'y a pas les stuff HL comme l'armure 7000 HP et les bijoux qui peuvent en donner 3, enfin plus de 3000, presque 4000, on peut monter à quasiment plus 11000 HP, sans compter les améliorations de l'ASP où là on peut enfin avoir un pool de HP suffisant pour se débrouiller. Quand on est BL, c'est un peu plus compliqué. Donc, côté mage, je pense SP6 et SP5. Bon, la SP7 est très forte en duel, mais il y a le problème des MP quand même à ce niveau. Je pense qu'on part sur une SP6. Ouais, deux SP6. Le SP6, bon, plus 14 pour Escanor et plus 9 ou 10 pour Nakio Zagriz, ça va être un petit peu compliqué de rattraper tout ce déficit. Bon, l'SP6 mage qui est un must à avoir quand même. Hein. Ouais. Alors après, en duel, c'est pas ma favorite. Ma favorite en duel, c'est clairement la SP8. Vous avez posté quelques vidéos sur le forum à ce sujet. Elle est vraiment très très forte. Si on gère bien la poudre lumineuse qui enlève beaucoup de précision à l'adversaire, on mise énormément, puis si on se débrouille bien, on a presque deux barres de vie. Avec elle est un peu fragile, mais bon, ouais, si on gère bien le heal, ça se passe pas trop mal, et l'adversaire passe plus de temps à courir en attendant que l'horaire parte qu'à attaquer. Allez, c'est parti pour ce match, et le requin qui part d'entrée de jeu. Scanner qui prend énormément de dégâts, oh là là! Le stun de la balle qui passe. Niaculabis qui est parti, ça va aller très très vite. Dommage. Qui passe, ça va être compliqué. Il a pas dû rester au corps à corps. Ouais. C'est vraiment dommage. C'était très 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 serré. Ouais, 1-0 du coup. Scanner qui s'est pris beaucoup de dégâts dès le début. Ouais, qui s'est pris énormément de dégâts. Et qui a réussi à revenir avec un boss qui, si c'était écarté, il aurait pu éventuellement éviter le skill 20. Non. C'était vraiment un beau match. Surtout de voir un mage qui tient tête comme ça, ouais. Alors qu'il a quand même pas mal de retard sur les points SP. C'était vraiment intéressant. Et à plus. Comme ça qu'on gèle. Ouais, c'est vrai que si le saignement mortel était passé. Comme je vois dans le chat, c'est vrai que le duel aurait peut-être pris un autre tournant. Il n'y aurait pas eu de critique, plus le saignement mental qui enlève quand même beaucoup d'HP. Ouais, Nakyu qui se demande s'il n'était pas en res feu. Qui est en train de s'amuser avec toutes ses fées. Est-ce qu'on va avoir une SP7 mage qui est aussi terriblement efficace si le bouclier se passe bien. Mais par contre, à ce niveau-là, j'ai peur pour CMP parce que le transformateur de l'âme, c'est. C'est une manœuvre de fou. C'est vraiment. C'est vraiment fort. Mais... Oui, c'est fort. Ouais. C'est très fort. Après, la SP est vraiment super fragile. Il tente la SP2. Ok. Bon, il n'aura pas de crit, mais. L'autre n'aura pas. On va voir pas comment elle est statée. C'est full def. Ouais, éventuellement. Mais du coup, il n'y a pas de très peu de dégâts. Def attaque.
Ouais, voilà. Bon, après, elle est aussi plus 9 ou plus 10, du coup, il n'a pas énormément de points. Il n'a pas énormément de points, sachant que la DS devient rentable à partir de quoi, 75 points sur la SP, au moins. Quoi. C'est là qu'on commence à voir vraiment. Je pense quand même qu'elle est 99, sa SP. En principe, quand on vient en LCL, on a quand même pas une majorité d'attaque sur sa SP. Ouais, je pense. À voir. Après, à voir s'il met son écu de mana. Ouais, l'écu de mana, je suis vraiment pas fan parce que. Ouais, non, parce que. Quand on a plus de mana, on a plus de heal et là, c'est la tristesse. Ouais. Après, je lis dans le chat, il a mis full def, mais d'accord, ok. Je sais pas d'où vient le. Ouais. Après, j'ai déjà vu des SP de full def. Ouais, pour troller, ça marche bien, mais c'est très long, ouais. Alors, ouais, c'est 95 sur le skill 20. Ouais, je suis pas sûr. Je suis pas sûr que ça soit super rentable. Bon, après, il va pouvoir se heal. Ouais, voilà. Ouais, mais il est quand même extrêmement lent. Il est lent. Ah, mais ça devait être une réduction costume, hein, le 95 sur le S20, parce que là, en coup de base, il tape quand même du 1000. Ouais. Et. Ouais, c'est. On va peut-être pas vendre la peau de l'ours avant peut-être de l'avoir tué. En fait. Là, il y a le trou noir mortel qui va lui faire du mal. Ça va être. Les stuns. Avec les stuns. C'est sûr qu'avec le heal, c'est pas mal. Il est déjà dans l'orange, c'est vraiment les stuns. S'il prend un stun dans l'orange, il va avoir. Après, il y a le heal de groupe. Il se heal à peu près ce que l'autre lui tape en fait. Hein. Ouais. Là, il a repris un trou noir mortel. Ouais, ça va être dur. Ouais, ça va être très dur. Ouais. S'il avait pris aucun stun, ouais, ça aurait pu être assez chaud. Mais bon, il a quand même déjà enlevé un gros tiers de la vie d'Escanor. Ouais. Après, je sais pas s'il a une rune avec un stun, ça serait... S'il pourrait stun Escanor, il pourrait bien se heal à fond. Ouais, c'est quand même pas mal serré. Ouais, ça va être compliqué. Alors, niveau pool de mana, il lui en reste les trois quarts. Et il a enlevé presque la moitié de la vie d'Escalador. Donc niveau mana, ça devrait suffire pour ouais, le heal. Niveau mana, ça passe. Alors là, par contre, s'il prend... En fait, voilà, s'il veut gagner, je pense qu'il faut qu'il le kite quand il est dans le orange. Alors là, par contre, je sais pas ce qu'il a comme chapeau, mais il a pris le trou noir sur le souffle de torsion, je crois. Donc je pense qu'il a pas de chapeau hippo, ce qui est un peu dommage. Le skill 20 qui miss, on est déjà à deuxième skill 20 de la part des skill 20. Naku qui reprend un peu l'avantage. Ouais, qui reprend. Et Escanor qui vient de passer dans le orange. Est-ce qu'on est en train d'assister à la sensation de la LCN? Alors ça, franchement, ça je valide complètement, quoi. Et qui vient de prendre l'incapable, donc il y a une robe 62 qui traîne dans les parages, là. Et l'incapable, alors elle est... Oh là là, 4000. Ça va faire mal. Ah ouais, il est plus 8, donc l'incapable, là, qui est bien rentabilisé. Bon, maintenant, il vient de prendre le trou noir mortel. Il se re-heal. Alors, niveau MP, Escanor, il se prend le choc. Manquer. Donc, il y a le choc qui est passé. Donc là, il peut pas miss Escanor. Alors, Escanor, il faut qu'il remette sa peau de fer aussi. Parce que là, il est en train de prendre des dégâts. Un autre trou noir qui passe. Oh, c'est chaud. Est-ce que ça va être la fin? Oh là là, le heal. Là, je pense qu'il va tempo, son heal. Il tempo heal. Est-ce que là, s'il reprend un stun, c'est la fin, quoi? Il va attendre son heal de groupe, voilà, qui passe. Ouais. C'est vraiment bien joué, ça. Ça, c'est vraiment très bien joué. Il joue pas mal, C'est très intelligent. Fallait oser la sortir, la SP2. Par contre, là, s'il se prend un stun. Oh là là, oh, ça va être super chaud. Oh non! Oh non! Oh, c'est tellement dommage! Oh là là, il s'est vraiment super à la fin. Oh, ah là, c'est 2-0. Oh là là, c'est vraiment dommage. Il avait vraiment, vraiment super bien géré sa SP2. Et juste à la fin, je pense qu'il a été un peu gourmand. Et il a voulu finir. Il a pris un petit trou noir. Ah non. Et il fallait peut-être essayer de temporiser, jouer la sécu. C'est vraiment dommage parce que c'était.
C'était très serré et j'aurais bien c'était aimé revoir sa part. Spécis, le double Spécis là, qui était super serré aussi. Donc là, le score qui reflète pas vraiment 2-0, qui reflète pas vraiment ce qu'on a vu dans les dans les duels, c'était extrêmement serré, ça s'est joué à rien. En tout cas, c'était un super coup de sortir la SP2 là. C'est vrai que l'absence de critique, ça fait toujours plaisir. Et là, le heal qui était vraiment bien géré. Ah, c'est dommage. Ouais, c'est vraiment les trous noirs mortels qui l'ont mis au fond. Les trous noirs mortels. Donc, c'est Kescanor qui atteint la finale. Et son adversaire en finale sera le vainqueur. Sera le vainqueur des matchs. Magio Luis contre Friction. Est-ce que Friction va nous ressortir sa super SP2 et ses hausses de fou? Le Dendeur Sauvage va gagner, t'as été à rien, hein. Lui-là n'a aucune chance. Et oh. Donc la deuxième demi-finale. Donc ça sera Friction contre Majo Luis 1. Faut qu'on dégroupe. Ouais, faut qu'on dégroupe et qu'on aille grouper Friction par exemple. Voilà, qui est fait. Je pense SP2 à Friction. Ça va être la SP2. Luis, que c'est son premier duel. Majo Luis, Friction, il peut pas mettre sa SP2 là, au passage, parce que il l'a mise juste avant, à la dernière manche. Hein. Oui, c'est la règle des deux fois de suite. Hein. C'est la règle des deux fois de suite qui, là, du coup, n'est pas appliquée pour Majo Luis qui dispute son premier match. Non. Effectivement, là c'est la règle des deux fois de suite. Et donc il va devoir sortir autre chose. Ouais. Du coup, si vous voulez gagner tous ces duels avec sa SP2, c'est un peu compromis là. Il pourra en faire que un. Il pourra en faire que un à celui-là sur sa SP2. Ouais. Donc là, il y a la SP1 en face, il va peut-être sortir aussi sa SP1 ou une SP7, je sais pas s'il l'a. Enfin, ça sera sûrement la SP1, je pense. Je pense qu'il va remettre la SP1. Ah ouais, malheureusement, je pense que s'il a un petit stuff au niveau de son arc.
C'est vrai que là, une SP7, ça lui aurait peut-être un peu sauvé la mise avec les skills à la dague, voire une SP8. Après, je sais pas si après, il a après, déjà faut, niveau 55. Après, il faut pouvoir la porter au niveau 55, quoi. Ça, je suis d'accord. Il faut faire du load mort. Avoir, faudrait que les gels passent assez souvent. Mais même avec son arc plus 3, si ça se trouve, il n'a même pas d'effet de PVP sur l'arc. Voilà, 216, ça va être compliqué de, ça va être très tomber, compliqué. De tomber un esprit. Il est déjà mid-life. Ouais, ça va être. Alors après, il faut voir qu'il va avoir sa SP2 contre un escrimeur qui n'aura pas de morale. Ouais, c'est fini. Donc ça fait 1-0 pour Manage de Luis en ce début de match. Pour l'instant, c'est Magio lui qui rencontrerait Escanor en finale. On en finale 100% inscrit. Et oui, ben c'est malheureusement friction, c'est comme ça, c'est la règle. On a un nombre impair de, enfin un nombre ce qui n'est pas une puissance de 2 de participants. Et c'est le hasard. Ça aurait pu être friction qui aurait sauté un tour. Il se trouve que l'algo de randomisation et de génération du tempo a mis Magio lui, et nous on n'a plus rien, on n'a pas choisi, on a juste rentré les participants et on a fait randomiser. C'est vraiment l'ordinateur qui a choisi au hasard. C'est tombé comme ça, ça a pu tomber autrement. C'est exactement comme quand on fait des poules dans un sport et qu'il y a des tirages au sort, bah là c'est pareil. Ouais, c'est pour ça qu'il faut pas tout miser sur une seule SP. Mmh. C'est pour ça que moi je trouve cette règle pas mal. Ça diversifie un peu. Bon. C'était le but. Hein. C'était l'idée de. C'était l'idée. Il y avait un système de ban de SP qui avait été aussi suggéré par la communauté, qu'on n'a pas pu mettre en place parce que ça aurait été extrêmement compliqué à gérer. Que fait Jacques voilà, ce serait bien. Sont intéressants de sortir. Une friction qui a cassé un poteau. Madjolis qui demande de l'aide pour son poteau. Jacques qui est de retour. Ozone qui s'en occupe. On devrait peut-être le faire sortir. Voilà qui est fait, Dudu va pouvoir commencer, en espérant que personne d'autre va revenir. Voilà. Donc là, il y a la SP2, sûrement contre une SP6. SP2, SP6, ouais. Alors quel buff ? Alors moi je serais vraiment vraiment partisan du buff vert là pour un peu éponger les critiques de l'SP2. Alors je sais que certains inscrits adorent mettre le buff rouge pour mettre beaucoup de dégâts, mais là ça sera un buff vert. Non, ça sera un buff rouge. C'est un buff rouge. Ça sera un buff rouge. Donc vraiment le rouge. Tout sur les dégâts. Faire attention tromper le buff. Voilà. Ouais, mais ça malheureusement. La charge là, il faut surtout pas qu'il le change. Mais il me semblait qu'il avait arrêté au bord, mais non.
Non, et bon, il a le temps de se rebuff. Heureusement pour lui que le que la méditation revient très très vite. Ouais. C'est bon, cette fois il s'est pas trompé. On part bien sur un buffer. Il joue plutôt la sécurité. Je pense que c'est la chose à faire. Ouais. À très très haut niveau, la question se pose parce que les archers ont vraiment énormément d'esquives et la précision apportée par le buff rouge aide à moins les miss. À ce niveau-là, il y a quand même beaucoup moins d'esquives. Donc je pense que le buff vert, c'est vraiment un must-have. C'est parti, le crêpe est d'un côté. Alors là, je charge qui est prise. Ouais. Le choc, il pourra pas miss du coup 8000, donc il a pas crit. Donc... Le smog qui est passé et qui est retiré par la mantra. Bon, ça, par contre, ça lui a coûté quand même pas mal de MP. Ouais. Oh, la lance spiraliforme qui a fait des ravages sur friction. Il va essayer de régénérer un peu, temporiser pour charger. Voilà. Donc là, il n'y aura pas de crit sur côté avec la saignée. Le skill 20 s'est manqué. Il a bien régène. Encore la saignée qui est appliquée. Et c'est fini. Joli duel de la part de Magio, lui, qui n'était pas forcément donné gagnant. Non. Et du coup, ça fait une victoire de 2-0. Et du coup, on va passer au match... Pour la troisième place. Match pour la troisième place entre Friction et... Et Nakimus Gis. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'il va retenter la SP2? Il peut pas maintenant, mais c'est le deuxième du duel. À voir. Après, il a fait quand même un beau parcours, hein. Il n'est que 55. Oui, c'est clair. C'est le plus bien, je crois. On peut le garder dans le groupe, hein, tout simplement. Ouais. Donc les deux SP2 qui ne pourront pas être. Donc ouais, faut passer le bandeau en finale, hein, lui. Parce que là on est sur les finales. Ouais, c'est plus la petite finale que la finale. C'est la petite finale, mais ça reste la finale. Il est où celui-là? Alors, je dirais SP1 contre SP6. La SP5 match qui est bien. Moi, je passerais en... Alors après, il va peut-être nous... Alors,
il va peut-être nous sortir la SP2 match contre sa SP2 archer, sachant que là, Friction ne peut pas mettre... La Q non plus ne peut pas. Ne peut pas mettre SP2 là. Du coup, ouais, on aura, je pense, un Dudu de SP2 en... dans le deuxième duel. La Q qui met une fée obscure. Donc là, on aura peut-être ouais, un duel de SP2 après. J'aimerais bien voir une SP5 mage. Ah, ça va sortir en 5 mages. Ah non, non SP3. En 3 mages. Oh, le duel des gels. Ok. Ouh, la SP3 mage. Elle est extrêmement lente, mais... Elle est lente, elle est en carton, mais elle gèle. Ouais, elle gèle. Avec le bouclier. Ouais. Ouais, au moins, c'est un mage un peu original. Comme... C'est ça, ouais, et qui nous a sorti tout son panel de SP, c'était vraiment sympa. Après, on a vu que Friction en SP1, il faisait pas énormément de dégâts. À voir sur la Q s'il en fait beaucoup. Il en fera forcément un peu plus parce que. Oui, c'est clair, mais. Mais bon, à voir. C'est un Dudu de gel, je crois. Après, j'espère qu'il a l'incant sur son bâton, parce que... Ah ouais, en SP 350... Ça va être chaud. Peut-être le skill fin d'entrée de jeu pour mettre le trou noir mortel. Ouais. Friction qui a déjà mis de la Friction qui prend énormément de dégâts. Je pense que c'est fini. C'est fini. Effectivement, Friction qui est vraiment congelé et... par... On peut faire de mauvais jeu de mots, Naxus qui a vraiment refroidi l'ambiance. Et qui est évidemment des Coroco parce que les cooldowns de cette espèce sont affreusement longs. C'est horrible. Bon, la championne toute catégorie restant quand même la SP8 mage. Ah ouais, si tu mets le 8 et que tu déco, enfin que tu enlèves ta SP. Il y a 10 minutes. Il y a un joli cooldown. Donc, pour l'instant. On n'a pas dit que la SP3 n'était pas très forte. C'est juste qu'elle est dépassée par les nouvelles, qu'elle est extrêmement lente. Après, elle a ses atouts. Hein. Elle a ses atouts, effectivement. Et c'est pas, comment dire, c'est pas une SP à laquelle on pense directement quand on fait un duel, parce ouais, qu'il n'y a pas de bouclier. Elle est très très fragile. Elle est très lente aussi. Donc, après, si tu arrives toujours à placer le gel au bon moment, c'est sûr qu'elle est très forte. Et puis bon, après on est aussi dans la tranche de niveau un peu plus BL où, ouais, où les dégâts ont moins tendance à s'envoler et qui vont partir quoi. C'est clair. Comme je disais, si t'as pas d'incant sur ton bâton pour jouer les SP de la première génération, c'est assez chaud. Parce que les incants sont extrêmement lentes. Du coup, t'as plus de chances de te faire interrompre. Mais bon, là c'est bien passé. Alors, que va-t-on voir? Est-ce qu'on va voir SP2 mage, SP2 archer? Est-ce qu'on va voir SP6 mage? Qui peut être intéressante aussi avec le saignement mortel, il faut éviter de charger. Est-ce qu'on va voir SP5 mage? Qui est aussi intéressante parce qu'avec la carapace magmatique, on peut bloquer les critiques à 3500. SP6, SP2. Ok. Donc ça, c'est quelque chose de l'ordre du un peu plus classique, quoi, qu'on voit un peu plus souvent. Donc là, le saignement mortel qui va faire des ravages sur les deux, hein, parce que les deux n'ont pas beaucoup d'HP, mais que Friction peut mettre quand même beaucoup plus facilement, lui qui peut le mettre toutes les 10-15 secondes sur son coupé. Alors que Inaku Zagi, ça sera plus long vu que c'est le requin. Ouais,
Alors après, si les stuns Nakius Aghis passent, ça va être très compliqué pour Friction d'absorber les dégâts. Ce que j'aime bien faire sur l'SP de Archer, c'est dodo d'emblée, comme ça je suis sûr qu'il n'y a pas la charge, et après je mets la baleine et j'ai mes stuns, et après je peux enchaîner les dégâts. En principe ça marche pas mal. Après le dodo en arène, il est un peu compliqué à mettre vu que la map est un peu buggée et le perso a tendance à se déplacer là où on veut mettre le dodo plutôt que le lancer. C'est horrible. Allez, et c'est parti. Et le requin, la saignée qui place. Ah, le dodo qui n'est pas passé. Le dodo qui n'est pas passé, la saignée qui passe sur Nakius Aghis. Par contre, il n'a plus de... Ah, le miss. Le miss de la baleine. Ouh, ouais, ça sent pas très bon. C'est fini. Et c'est fini. Bravo, très très beau duel. Donc on a un mage sur le podium. On a un mage sur le podium. C'était tant attendu. Loin, hein. C'était serré. C'était très serré sur son match d'avant, effectivement. Il aurait pu aller en finale, mais il se retrouve quand même avec la médaille de bronze, qui est quand même déjà pas mal. Et merci du coup à Friction d'être venu pour sa participation vu qu'il a l'air de s'en aller. Et du coup, ça sera une finale 100% inscrit qui opposera Escanor à Majo lui. Ouais. Je te laisse dégrouper. Ouais. Nous arrivons au dernier tournoi, enfin au dernier combat de cette première LCN. Alors Escanor qui avait utilisé dans son dernier match la SP1 contre du coup Nakius Aghis, donc là qui ne pourra pas mettre sa SP1. Mmh. Et Majo lui qui avait lui utilisé non, il avait mis sa SP1 d'entrée contre Friction et du coup il pourra mettre une SP1. Ce qu'il pourra pas mettre, c'est la 6. Je crois que c'est la 6, on va vérifier auprès des arbitres. Ouais, donc ça sera ban SP1 pour Escanor et ban SP6 pour Majo. On ne pourra pas avoir de match miroir, je pense que les deux vont jouer SP1 et SP6. Effectivement, du coup, pas de match miroir. Après, peut-être quelqu'un va tenter oui. La SP3 Escrit. Hein. Tu la veux, ta SP3 Escrit. Avec la triple charge. Je crois que t'es le seul à la vouloir. Ou une petite SP pirate, sympathique. La Jaja. La Jaja qui fait mal. Hein. Ouais. Sur une SP6 pour Escanor. Très bien, classique. Je pense qu'il y aura la SP1. Ah, est-ce que la morale va faire le job? À voir. Bon, les deux sont niveau 69. Après 69 de différence de morale, ça commence à faire. Ouais. Donc, du coup, est-ce que.
Est-ce que Escanor va tenter le buff rouge pour essayer de contrebalancer un peu la morale? Non, il reste sur du CQ, sur du buff vert avec les HP supplémentaires, la réduction de dégâts, le petit buff de def et évidemment l'anticritique. Bon, 11% de réduction de dégâts, c'est déjà pas mal. Je crois qu'on a encore un petit... Il y a un Rocksword PVP là qu'il faudrait qu'il sorte de l'arène. Ouais, je crois qu'il a compris. Ouais, on va c'est bien. C'est bon. La morale qui part. Et d'emblée, la fraction d'épaule. Le choc, lui, ne passe pas. Et le couvrir avec écu qui passe. Là, il faut tempo pour Escanor. Ouais. Parce que là, ouais, ça fait très, très, très mal. Oh, Escanor qui revient. Trou noir qui mental. Qui est revenu. Et ça, le trou noir mental, ça lui fait beaucoup de... Ouais. Julius qui est dans le... Et du coup, la morale qui du coup, il fait plus le job. Et là il lui a mis un crit sur la lance dragonesque. Là, il y a des miss, pas mal de miss. Je crois qu'il va vraiment attendre son tour noir, quoi. Ouais. Alors là, la provo qui part. C'était pas la provo, c'était la peur de crier. Le choc qui passe, donc là aussi il y a défense impossible. Majo lui qui revient bien dans le combat. Ouais, c'est serré quand même, mais il passe au rouge, ouais, il est un peu en retard. Avec le crit, ça aide. C'est très serré. Après, Escarnor part pas gagnant quand même à cause de la morale, donc c'est très bien ce qu'il arrive à faire. S'il arrive à prendre un point contre l'Espion inscrit, ça sera. Il aura déjà une belle option pour la victoire. Le stun qui passe. Et oulalalala, c'est Majolus qui achève Escanor vraiment à la fin de sa vie. C'était vraiment un super combat, ouais. C'était vraiment un super beau combat. Donc on a Majolus qui a déjà un petit pied sur le podium, sur la première marche du podium. Un tout petit pied pour l'instant. Parce qu'il reste encore jusqu'à deux manches. Et là, Magio n'aura pas accès à sa SP1 et Escanor pourra éventuellement la remettre et bénéficier de l'avantage de la morale. Ouais, je pense qu'on aura le même match, mais de l'autre côté. Mais inversé. Mais non. Livy, j'ai tout vu. Le cliquer sur sa vie. Vas-y, j'en ai marre. Ouais, t'es Livy, ouais. Hein. Ah, mais du coup, je vois plus le groupe. Mince. Ouais, je découpe si tu veux, c'est pas grave. Ouais, vas-y, découpe. Ah mais du coup tu... Ah, non mais des groupes aussi, c'est pas... C'est bon, on va s'en sortir. J'aurais dû mettre le truc passe le game. Alors est-ce qu'on va voir le match totalement inversé? SP1 pour Escanor, SP6 pour Majolui, ou est-ce que
Maggio va sortir une autre SP. Pas une SP2 par exemple. Qui a aussi un choc sur son S20. Si on arrive à le placer. Ah mais merde. Faut que je dégroupe ou c'est bon? Attends, si tu me regroupes, est-ce que ça fonctionne? Ouais, c'est bon. Ok. Escanor qui passe en 1. Et Maggio en 6. Donc on a bien le match miroir. Est-ce que l'issue sera la même? À voir. Alors on note quand même des plus grosses SP chez Escanor. Hein. Escanor qui est en plus 14 quand Maggio était en. Alors je crois que ça m'hésite à bugger là. Je crois aussi. Il y a eu un petit bug de médite. Un match désert, il faut partir de l'arène. Ah, voilà. Donc, est-ce que Maggio, lui, va faire le choix que Escanor et partir sur du buff vert? Ou est-ce qu'il va tenter le tout pour le tout et passer en rouge pour contrebalancer un peu la morale? Alors, ça l'annule pas, hein. Loin de là, la morale est quand même bien supérieure en termes d'esquive. Mais je crois qu'il va aller au rouge. Hein. Ouais, il va aller au rouge. Mais voilà, il teste le rouge. Il se dit qu'il a probablement essayé de réduire un petit peu les mises qu'il va faire, au dépens bien sûr de pouvoir défensif. Et c'est parti. Et ça commence. Ouais, déjà d'entrée de jeu, le cri plus ça va être très dur. Ouais, je pense que c'est les carottes sont cuites là pour Maggio. Ça va être très chaud. Ouais, là, c'est sans appel. C'était vraiment sans appel. Ouais. Donc là, ça fait un partout. Et Escanor qui revient dans cette finale. Et je pense qu'on va revoir. Le même match. Le même match. Qu'au début de. Qu'en première manche de cette finale. Eh oui, effectivement, t'as pris cher. Avec un, c'est même encore mieux. Qu'on arrive là au dernier du dieu. Pour savoir qui pourra gravir la première match. La première marche du podium. J'espère que vous avez fait vos pronostics. Hein. On rentre dans la dernière manche. Dernière épreuve des poteaux. Donc là, c'est le rang PDL là, qui se joue maintenant sur ce duel. Ouais, faut tout donner parce que le rang, il est vraiment beau. Ouais, puis surtout, ils sont difficiles à avoir. Donc oui, c'est nouveau le même match. Ouais, on a une photocopie de la première manche de ce match-là. Ok, est-ce que la morale. Alors, ça avait été très chaud. Hein. C'était ouais, vraiment. Ça avait été très chaud. Alors, après, Escanor a émis son combo complet avec la lance dragonnaise qui avait fait un gros crit, qui
qui a mis plus de 6000 de dégâts à Majolui. C'était pas, pas évident à mettre sur une morale. Hein. Ça aurait pu ne pas passer. Ok, Scanner qui reste en buff vert. Mm. N'étend pas le rouge. Ouais, bah, je pense qu'on a vu ce que ça a donné le rouge hein. Tout à l'heure. C'est parti, il y a les morales qui sont parties. Et d'entrée, Escanor qui ne mise pas. Là, par contre, il y a beaucoup de réduits de costumes sur Escanor. Ouais. Qui ne mise pas. Hein. Escanor qui. Bah, il mise le skill 20 quand même. Pas beaucoup de. Alors, on se retrouve nous dans un duel beaucoup plus serré. Mmh. Ouais, l'autre manche, là, le duel précédent. Intéressant. Ouais. Des joueurs qui sont au coude à coude. Et c'est là où, le, où les choix des SP deviennent importants. Parce que si Escanor, bon, après avec des si, on fait ce qu'on veut, hein, mais on peut se dire à quel moment je garde ma SP1, je sais que c'est un point fort, je sais que c'est, elle est très très importante sur mon perso, à quel moment je la garde? Est-ce que je veux l'avoir deux fois en finale ou est-ce que je veux assurer la demi, etc. Ouais, c'est clair, faut réfléchir. C'est là que la tactique rentre dans cette LCN où c'est plus juste. Faut du bourrinage et je roule ma tête sur le clavier. Attention, il y a deux crits qui sont partis. Majolus qui a pris extrêmement cher et Escanor qui revient. Ouais. Alors Escanor, par contre, qui a laissé tourner sa mantra et qui se retrouve à coup d'MP. Ah, là, ça va être difficile MP pour lui. Qui va être en coup de base. Bon, il, sans... il a encore de l'avantage. Un double 30 des trous noirs, ça va être très compliqué. Ça va être très, ouais. C'est très serré. Ça c'est sent très la serré. Fin. C'est très serré. Attention à crit, hein, ça peut. Ouais, un petit crit là, il lui reste plus que ça. Hein. Et c'est fini, et c'est Majolui S1 qui remporte la finale. Et du coup, GG à lui. LCN, bravo à lui. C'était une super finale où on a vu que la technique et le comment l'intelligence de jeu, savoir quel SP on va prendre, ça a joué beaucoup. Et vu la tournure de la deuxième manche, si Escanor avait gardé sa. Avait gardé sa SP1 sous le coude, il aurait peut-être remporté cette finale. En tout cas, bravo à tous les combattants. Et merci à vous d'être venus nous suivre sur le stream, c'était super sympa. Ouais, c'était vraiment donc cool. On a donc en champion Majolui, deuxième Escanor, troisième Nakusagis. Donc voilà, super LCN, bonne entrée en matière pour nous. Moi je me suis bien amusé personnellement, ouais, c'était sympa pareil. À regarder. Après, il y a deux, trois et on a un petit match sur le podium qui a... Ouais, quand même, il n'y a pas d'archer. Alors, c'est qui la sous-classe et... maintenant hein? C'est pas le mage, ok. Et ouais, on a eu un match qui nous a fait. Qui a tout chamboulé. on a un mage. On va voir ce que ça donnera demain, s'il y aura peut-être plus de mages, je sais pas. Alors, demain, il y aura 5 participants. Ouais, c'est dommage qu'il n'y ait pas vraiment beaucoup. On nous réclamait une LCNB. C'est vrai qu'on nous a réclamé une LCN avec des possibilités pour les niveaux en dessous de 50, enfin 55 surtout de venir participer. Et il y en a que très peu qui sont inscrits. T'es un petit peu déçu sur ce point de vue-là. Ouais. Donc c'était vraiment une LCN bien sympathique, une bonne entrée en matière. On a vu des choses intéressantes. Quoi. Moi j'ai vraiment bien aimé le coup de la qui a failli payer d'ailleurs. Ouais. Qui a vraiment failli payer. Ouais. C'était surprenant mais c'était pas si mal joué. Ouais, c'était plutôt bien joué. Ouais. C'était vraiment plutôt bien joué. Donc avec les participants, il y aura 7 200 000 pour le premier. Il y aura 3 millions pour le deuxième. Et pour le troisième, on sera sur du 1 800 000 au niveau des récompenses en ordre. Petite récompense transmise par paquet.
pour sa victoire. Voilà. Et ainsi, évidemment, qu'un rang PDL sur le forum. Mm-hmm. Donc on activera ses rangs et ses récompenses le plus tôt possible. Ouais, ouais. En tout cas, voilà, c'était la fin. C'est la fin de cette LCN. On vous remercie tous d'être venus suivre ça sur le stream. On remercie également les participants d'être là. Et puis une mention spéciale aussi à toute l'équipe jeu qui est venue arbitrer et préparer les maps avant le début des combats. Voilà, je vous remercie. On vous dit à demain pour la LCN 69 sur le serveur 3. Salut à tous. Allez, à plus.